Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, mais ça a pris beaucoup de volume. Allez, on va commencer à boire. C'est indestructible, c'est plus résistant que mon genou. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau 24 heures. Dans ce 24 heures, on va manger uniquement des bonbons. Oui, gros challenge aujourd'hui, hein. Donc ça va vraiment pas être facile, je pense. Bon, j'ai tout prévu, hein, y a pas de problème, hein, mais encore faut-il réussir le défi. Donc du coup, je pense qu'au début, ça ira, hein. Tranquille, c'est des bonbons quand même. Mais vraiment, genre au bout de midi, peut-être, rien que là, ça serait ultra récurrent, je pense. Pour ce challenge, j'aurai le droit uniquement de manger des bonbons, comme je l'ai dit. Mais aussi, j'aurai le droit de boire de l'eau. Heureusement, quand même. On va déjà faire quelques petits trucs avant de commencer. Et on va se préparer aussi avant le petit déj. Allez, c'est parti, let's go. Juste avant de commencer, ce que je voulais faire, c'est utiliser ça. Alors c'est quoi? C'est un microscope caméra en fait. Donc en gros, pourquoi on va l'utiliser? On va manger beaucoup de bonbons durant 24 heures. Je vais voir l'impact sur ma langue quand même, parce que je vais me prendre des trucs acidulés. Et comme vous le savez, c'est pas ultra bon pour la santé. On va voir ce que ça donne sur ma langue. Donc là du coup, je vais filmer ma langue à la caméra microscope. Donc on va voir, ça va être très appétissant hein, évidemment. Et ensuite, on la refilmera à la fin de la journée pour voir ce que ça a donné quoi. Je tiens à préciser quand même que ce 24 heures, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Faut pas faire ça tous les jours, hein. Je pense que vous l'aurez compris. Donc c'est parti, j'allume ma caméra microscope. Donc je l'ai eu récemment, donc je suis grave content, on peut faire plein de trucs avec. Je peux filmer ma main, regardez. C'est pas appétissant, hein. Non, mais je vous ai prévenu. Hein. C'est après les bonbons, mais là... Ouais. On dirait un steak. Non, vaut mieux pas que je pense à ça. Bref, ouais, bon, c'est pas très appétissant. Ma langue n'a pas l'air d'avoir de gros problèmes. Enfin, je sais pas. À vrai dire, je vois rarement des langues au microscope en fait. Voilà, c'est comme ça. Hein. On verra du coup ce soir ce que ça va donner. Bref, on arrête de parler. On passe du coup au petit déj. Bon, pour le petit déj, hein, un œuf au bacon, je pense que ça ira très bien. On va cuisiner ça. Ah, ça y est, j'ai terminé de le faire chauffer. On va voir le résultat. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, mais ça a pris beaucoup de volume. Wow, la magie du montage, vraiment, c'est incroyable, hein. Bon, bah, allez, c'est parti. Et bah, ça va me faire un très bon petit-déj. Du coup, pour commencer ce petit-déj, on a des œufs au bacon géants. Avec un peu de tomates. Ok, les gars, donc là, c'est un gummy géant, très clairement. Bon, j'avoue, pour 24 heures, je me suis fait plaisir. J'ai pris plein de gummy géants, vous allez voir ça, ça va du très très lourd. Bon, vraiment, ce matin, c'est petit-déj typique de Londres, hein. Regardez. On a ici les petits haricots, là, la saucisse. Et pour terminer, la biscotte. Ouais, je crois bien que c'est ça. Hein. Voilà, donc les gars, franchement, bon, niveau visuel, c'est très propre quand même. Hein. C'est un bon petit déj. Bon, vous savez quoi? Mettez une note sur 10 à mon assiette. Voilà. J'ai un appareil dentaire. Un 24 heures bonbon avec un appareil dentaire, c'est l'idéal. Hein. On peut pas faire mieux. Hein. C'est vraiment ultra synchro. C'est génial. Parce que je vais prendre 30 kilos aussi durant 24 heures. Hein. Je vais commencer par les haricots. Voilà, donc ça va ressembler à des jelly belly un peu. Allez, go. Ok, c'est un goût d'abricot. Je me doutais, mais en même temps, je me disais, on va peut-être mettre autre chose, mais non, c'est bon. Donc, les gars, pour me préparer à 24 heures, j'ai pas pris de sucre les dernières heures là. Donc, ça fait du bien d'en reprendre quoi. Mais après, je pense que je vais vraiment avoir le seum d'en avoir repris. Ah là, c'est bon, hein. Non, là, c'est bon, ouais. Des bons haricots aux abricots. Bah, la saucisse. Incoupable. Bon, ça, on va prendre à la main. Hein. Allez, c'est parti, c'est bien beau, mais là, c'est à la main. Alors là, on est à la biscotte. Je sais pas du tout quel goût ça peut avoir ça. Hein. C'est du citron. Oh, c'est dur ça. C'est sucré. Mais c'est tout. Mais pour l'instant, franchement, c'est très bon. Hein. Ah, c'est dur. C'est des trucs qui sont trop durs pour moi, je pourrais pas les manger avec mon appareil. Je tiens à le préciser aussi. Ouais, je suis chiant, je sais. Non, mais vraiment. Hein. Sinon, je peux me péter un truc, donc voilà. S'il y a des bonbons, tant pis. Je vous rassure d'ailleurs, il y aura aucun gaspillage. Bon, voilà, je tiens juste à préciser parce qu'il y a plein de gens, quand ils voient nos trucs, ils disent oui, ils vont gaspiller, ils vont pas le manger. Ou t'es consommé. Il y a aucun problème là-dessus. Hein. Ah. Ah, un autre. Ouais, non, mais s'il te plaît, fais un effort, le bonbon là. A few moments later. Ouais, c'est un goût orange. Attends, mais ça c'est pas abricot, ça se trouve c'est orange. J'y pense. Je me pose la question. Non, non, attendez les gars, je me suis trompé. Non, non, mais les haricots c'est pas du tout abricot, qu'est-ce que je raconte? Non, 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 les haricots c'est goût orange en fait. Ah ouais, d'accord, je suis en fait juste nul pour les goûts. Ok, non, je me suis trompé, désolé. Non, ça c'est orange. Par contre, ça je connais pas le goût et j'arrive vraiment pas à le croquer. Donc désolé, on laisse tomber pour celui-là. Donc c'est l'œuf au plat. Donc là c'est vraiment un gros morceau, un mec et demi. Allez, c'est parti. Bon, écoute, le bonbon bacon là, même si t'es immangeable, t'es magnifique. Donc c'est tout ce qui compte. Alors, mais bon, pas comme ça, on va le manger. Allez, c'est parti. Oh non, non, j'ai cassé les bacon. Les bacon. Les bacon sont tombés, j'ai le seum. Alors ça a quel goût ça? Ah c'est bon, ok. C'est un goût de fraise. En vrai, ouais, vas-y, je prends les tomates maintenant. Les tomates sont juste ici. On est plus du fraise cerise à peu près. Ouais, ouais, là c'est fraise cerise. Ouais, c'est pas mauvais non plus. En vrai, ça va. C'est bon. Bon, et maintenant on passe du coup, en grand moment, hein, l'œuf.
Ça passe au goût, hein. C'est un peu un goût sucré. Et vraiment, des bonbons, tu sais, t'arrives pas à trouver la saveur du bonbon en fait. Tu trouves juste que c'est sucré, c'est tout. Genre, c'est comme la biscotte. Ça a pas de goût, hein, mais vraiment, non. Donc, c'est bon, hein, mais genre, je préfère les haricots, quoi. Je vais du coup continuer ma dégustation devant un petit truc quand même, hein. Allez, on se met un petit film. Bon, allez, c'est parti. Ce matin, SNK. Allez, hop. Ok, du coup, c'est bon. Je vais terminer pour le petit déj, hein. Bon, j'ai pas tout mangé. Je mangerai plus tard. Voilà, mais là, je suis déjà écœuré par le sucre. Hein. Rien que là, déjà. C'était bon, hein, c'était cool, mais c'est déjà très écœurant, hein. Bon, allez, avant midi. Un peu de Fortnite, c'est parti. Ah, comme vous le savez, moi je suis un professionnel à Fortnite, hein, donc voilà, top 1 dès le début. Bon, est-ce que vous êtes prêts à assister au plus grand gameplay Fortnite du monde? J'espère, hein. Tenez-vous bien, parce que là ça va être incroyable. Hein. Bon, en vrai, à part Fortnite en live, je sais pas trop quel genre de jeu on pourrait tester, donc dites-moi en comment, hein. N'hésitez pas. Hein. Mais j'ai croisé personne de la game. Genre vraiment, ah si. Attends, je vais prendre la popo parce que. Attends, il y a quelqu'un là. On va tenter le kill. Attention, Néo qui a un kill, c'est incroyable quand même, donc. Oula, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ok, d'accord. Ah ok, attendez, il est là. Oh, attention. Deux Bambi qui jouent là. Non. Waouh, claqué. Non mais, il avait eu dans deux Bambi, regardez. Oh, je suis mort. Oh non, mais les gars, il était immobile devant moi, comme ça, genre vraiment, je pouvais faire la meilleure tête possible. J'aurais pu le mettre, le tuer en deux coups. Et moi, je suis trop nul, donc voilà. Bon, moi, pour le midi, j'ai bien envie d'un bon burger. Voilà, un vrai burger, évidemment. Le voici, je vais vous montrer ça en détail. En vrai, il est vraiment grave réaliste. Enfin, perso, je le trouve vraiment réaliste. Oui, les gars, c'est un burger en bonbon. Bon, je pense que tout le monde a deviné, mais bon, le fromage, il est incroyable. Bon, le midi, moi, j'aime bien avoir un bon burger, mais aussi, la base, les frites. Donc voilà, les petites frites avec le burger. Moi, je trouve bien faites, hein. Ça va, elles ont l'air très très bonnes. Je pense que c'est des frites au citron. Et pour terminer, évidemment, un burger et des frites. Un bon coca, ce plaisir. Donc là on est sur un gummy géant par contre. Donc lui trop stylé. Lui franchement j'adore. Ouais là je valide de fou, hein. Et par contre ça va être trop bon je pense, hein. Allez on va commencer à boire. Donc ouais c'est bien goût coca ça. Normal aussi, hein. Voilà du coup c'est parti. Dégustation. On va commencer par les frites. Voilà histoire de. Ah ouais. Non je vais y arriver, hein. Ah c'est bon. Goût citron. Au petit déj, vraiment à la fin, je voulais plus de bonbons. Mais là, après quelques heures, finalement, bah ça revient le plaisir de manger du bonbon. Donc là, ça va. Ouais, ouais, c'est bon. Donc là, on est sur du goût citron. Très bonne frite. Et maintenant, le burger. Ouais, ça va être facile. On est sur un goût un peu de chamallow. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Moi, non, en vrai, je valide. Je valide, en vrai, c'est pas mauvais. Non, non, ça va. Bon burger, hein. Non, mais en vrai, hein. C'est bien réaliste et c'est super bon. Donc franchement, en bonbon, c'est génial, hein. Et on termine du coup avec le coca. Allez, c'est parti. J'ai plus à avoir dedans à la fin du 24h, hein. Vraiment, hein, mais... C'est le meilleur gummy en vrai, parce que c'est goût coca, quoi. Donc je trouve que c'est meilleur que ça, ouais. Vraiment, la goûte du coca, elle est trop bonne. Le bon burger. Voilà, moi je fais pas des dégustations de burger. Moi je fais des dégustations de gummy burger. Allez, ça c'est validé. Bon, après un burger frites et du coca, il faut aussi quand même un peu de verdure, tu vois. Genre un petit légume, une petite carotte par exemple. Genre, bah, comme celle-là, quoi. Une petite carotte, quoi. J'ai fait des dingueries, là, pour les gummies, mais vraiment. Ok, on est là sur une carotte géante. Je vous montre ça de plus près. Donc voici, du coup, ma carotte géante. Donc écoutez, elle a l'air très bonne, hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ouais, elle est immense. Elle est vraiment très impressionnante. Waouh. C'est parti pour la dégustation. Ouais, donc ouais, je vous rassure, hein, je vais pas pouvoir terminer tout ça durant le midi. Hein. C'est un goût d'orange. C'est bon, ouais. Et le vert, je suis curieux, le vert. Ça doit être un goût de pomme, peut-être. Ouais, pomme verte, exactement. Bah écoutez, très bien. Allez, on continue de manger ça. Bon, du coup, les gars, j'ai mangé tout le paquet de frites. Parce que c'est petit, hein. Genre comparé au bonbon géant que j'ai mis à côté. Mais vraiment, je peux vous dire que ça cale à fond. Là, j'ai plus faim du tout. Mais genre, je sais pas pour combien d'heures, mais là, j'ai plus faim du tout. On va attendre de goûter, mais pour ce midi, là, vraiment, j'ai ma dose, largement, hein. Je vous avoue que là, je commence vraiment déjà à saturer des bonbons, hein. J'en ai déjà marre, j'ai commencé même à avoir mal aux dents, en fait. C'est vraiment difficile, hein. J'en ai beaucoup mangé, ouais, et en fait, il y en a certains qui sont durs, et du coup, avec l'appareil, ça me fait mal aux dents. J'ai bu beaucoup d'eau, là, pour vraiment apaiser, quoi. Bon, en attendant, un petit peu de Clash Royale. Oh, mais les gars, j'ai les mains qui sentent le bonbon ultra fort. C'est horrible, je me suis lavé les mains 3 fois, ça part pas. Bon, jugez pas mon deck, on est parti. Oh, je vais perdre encore des trophées. Allez, c'est parti. Bon, je suis pas très fort, hein, je vous préviens. Donc, Ah non, mais direct, voleuse. Genre, il attend pas. Oh non, mais... On va déjà me faire éclater, j'ai l'impression, là.
Bon, là, c'est bon. Ça va mieux. Bon, j'en ai vraiment beaucoup mangé, mais là, ça va beaucoup mieux. Vraiment. Enfin, je prends des bonbons normaux. Allez, on a ici, du coup, des fraises Regala et des fraises bananes. Et des fraises bananes. Voilà, Néo 2021, tout va bien. Des bonbons bananes, tout simplement. Donc voilà, j'ai pris aussi des Dragibus. Je pense que ça ira comme ça. Bon, vous êtes quel team pour les couleurs? Moi, bleu. Bleu, franchement, c'est mes préférés, large quoi. Donc voilà, Dragibus font plaisir. Juste ici, les fraises Tagada. Un gros boulet. Les fraises Tagada. Mais je suis un cas, mais sérieux. Ok, bon, tranquille, hein. Franchement, c'est goûter tranquille. J'ai pris aussi des Oreos. Oui, des Oreos. Ouais, je rigole pas, regardez, venez. Ouais, voilà. Des Oreos qui font plaisir, évidemment. Ce sont des Oreos en gummy. Un peu déçu de l'aspect, mais en fait, ouais, c'est ça. Ah, mais ils sont ultra durs. Alors, je viens les ouvrir. Non, mais c'est du caillou en fait. Ça a le goût, vous savez, du blanc qu'il y a sur les crocodiles bonbons là. Donc, c'est pas incroyable. Hein. Le goûter, normalement, c'est pas du chocolat, des bonbons. C'est aussi des fruits, le goûter. Et oui, beaucoup de fruits. Bon, quand je parle de fruits, du jus d'orange, c'est presque pareil, non? Ah bah écoutez, ça tombe bien, j'avais soif. Allez, c'est parti. Bon bah ça sent l'orange, donc c'est forcément goût orange à mon avis par contre. Ah. C'est mou, mais c'est dur à croquer quand même. Hein. On a un goût d'orange, ouais ouais. Ok, donc ouais c'est très bon. Non non, mais c'est bien, hein. Ouais ouais, j'aime bien. Bon ça y est, j'ai fini de goûter, mais il y a un truc que j'ai pas fait qui est ultra important. Ce matin, je me suis brossé les dents, mais pas pour le reste de la journée. Alors pourtant, pour avoir des 3 bonbons, c'est quand même grave important. En plus, j'ai un appareil, donc là, je vais direct me brosser les dents. Hein. Brossage des dents. En attendant le dîner, j'ai bien envie d'une sucette. Ouais, je pense que ça ira comme ça. Voilà, une petite comme ça, je pense que c'est bon. J'ai que ce format-là, désolé. Ouais non, en vrai, j'ai pas acheté de français là, elles sont vraiment balèzes. Hein. Je vais voir pour un autre format, attendez. Celle-là, ça va? C'est presque pareil. Ouais, non. On va en prendre d'autres. Ouais, allez, on va prendre des classiques. Voilà, comme ça, je pense que ça ira. C'est mieux comme ça, je pense. Ouais, non, en vrai, je vous avoue, j'ai pas ultra faim là. Vu que je viens de prendre masse de bonbons là pour le goûter. Donc, une petite sucette comme ça, ça ira largement. Vous êtes team quoi? Fraise ou coca? Coca, moi direct, en fait. Hein. Voilà, y a pas de débat. Hein. Bon du coup, je me suis rebrossé les dents. La sucette, ça faisait mal aux dents. Donc là, c'est parti pour le dîner. Voilà, enfin. Bon, j'ai pas ultra méga faim. Je vous avoue que là, je suis encore bien écœuré par le sucre. Donc on va commencer tout d'abord par une bonne pizza. Et oui, la bonne pizza. Donc voilà, c'est une pizza normale. Enfin, pizza, je vais me régaler. Bien sûr que non. Bon, ça y est, je l'ai ouverte. Donc en fait, c'est plein de petits bonbons qui font une pizza. Voilà. On a une mini pizza ici en bonbons par contre. Et voilà, on a plein de trucs. Donc en vrai, c'est sympa. J'aime bien le rendu. Je pense que je vais me régaler quand même. Hein. Moi, d'habitude, avec une pizza, je prends toujours un peu de sauce piquante. Donc là, j'ai pas de sauce piment. Donc des piments tout court, ça va. Voilà. Parfait. Enfin, c'est des piments bonbons, hein. Oh, c'est vrai? Donc regardez, je vais vous les montrer de plus près. Ouais, donc je crois même que c'est des vrais bonbons qui arrachent par contre. Ouais, c'est un goût de piment. On le sent. Ah! Ah, ah c'est horrible! Ah, j'ai même pas croqué dedans, je l'ai juste léché, c'est horrible. Ouais, vous savez quoi? J'ai pas laissé ajouter ma pizza. Déjà que là, je suis bien écœuré par les bonbons, c'est bon pour moi. Hein. Ouais, mais ils arrachent à fond. Oh, vraiment, des bonbons, mais pimentés, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Parce que moi, j'aime bien quand c'est des bons plats, tu vois, salés avec des épices. Là, c'est du bonbon. Je vais en prendre une mini, hein. Voilà. Oh ma petite, on est bien. Ah, ah c'est pas bon. En fait, je sais pas si c'est moi qui est tellement écœuré qui aime plus rien en bonbons ou si c'est juste le bonbon qui est pas bon. Je sais pas. Mais là, je vais pas prendre de bonbons pendant 3 mois en fait. C'est. Berk. Ah, c'est pas si. Non, c'est pas mauvais ça. Si là, c'est un vrai goût de banane, donc là, c'est bon. Ah, les spaghettis bonbons, ça j'adore par contre. Regardez, ces machins là. Ça par contre, c'est incroyable. Ça, j'aime régaler. Non. Attendez. Non, non, là c'est juste sucré. Après c'est pas mauvais hein. Ouais non ça va. Ouais ouais non au final cette pizza est pas si mauvaise. Après est-ce que je préférerais manger une vraie pizza? Beaucoup plus oui. Ouais puis une bonne pizza il faut aussi une cuisse de poulet. Ça va ça? Donc écoutez bon c'est pas très beau visuellement. Même si c'est crédible. Après on va voir si c'est bon. Voilà allez on goûte. C'est hyper dur. Vraiment là, je tombe sur des trucs à des moments genre c'est neuf je loue comme ça. Et là c'est super dur je comprends pas. Non mais. Ah non mais c'est de la pierre. Alors c'est un goût de coca, c'est pas mauvais hein, mais c'est indestructible, c'est plus résistant que mon genou. Bon par contre avec une pizza, toujours accompagner ça d'un bon gros coca. Méga bouteille de coca, deux fois plus grande que l'autre, d'ailleurs je vais les comparer hein, mais celle-là est beaucoup plus grande. Wow. Donc voici la petite bouteille de coca, qui est déjà quand même balèze, pour du bonbon. Et voici la méga bouteille de coca. Ta-ta-ta-ta. Voilà quoi, presque la même taille, c'est bon.
Bah, tu vois dans quel goût ça va avoir, hein. Oh, c'est étonnant, ça a le goût du coca. Wow, je m'y attendais pas. Tu prends une mini bouteille de coca, bonbon, ça revient au même. Je peux faire des vagues avec. Voilà, wow, ça va. Ça va, ça va. Ouais, donc je vais en manger, mais pareil, hein, ça, je terminerai ça plus tard. Hein, parce que là, vraiment, je suis bien écœuré par ce 24 heures. J'ai hâte qu'il s'arrête vite, en fait, surtout. Bon, allez, rebrossage des dents, là, j'ai ultra mal aux dents. Hein. C'est vraiment pas agréable. Je suis plein de bonbons collés, en fait, donc voilà, c'est parti. Bon, du coup, voilà, c'est quasiment la fin du 24 heures. Je viens de terminer le dernier repas de la journée. Donc là, maintenant, c'est parti pour voir le rendu, du coup, de ma langue. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'il y aura rien. Pour, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que les bonbons soient acidulés, en fait. Quand les bonbons sont pas acidulés, je crois pas que ça fait des gros impacts sur ta langue. Donc là, ce que vous venez de voir, les petits points des endroits là, je pense que ça, ça a vraiment un impact sur les bonbons. Par contre, du coup, vous avez vu, ça faisait comme des mini blessures un peu sur la langue. Donc c'est vraiment miniature, on le voit pas en fait à l'œil nu. Mais ouais, j'avoue, ça fait un impact quand même. Ça fait réfléchir finalement de voir ça sur sa langue. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour ce 24 heures. Ça aurait été un 24 heures quand même. Sympa, c'est pas le meilleur, mais il est sympa. C'est vrai que manger des bonbons pendant 24 heures, c'est vraiment écœurant, hein. C'est très écœurant. Là, tu vois, j'ai pas envie de manger de bonbons pendant 3 mois. Après, niveau alimentation, ça va. J'ai pas trop faim. Non, non, au contraire, j'ai pas faim même. Hein. Quand j'en prends beaucoup, j'ai pas eu de mal au ventre sinon. J'avais peut-être des mini mal de tête, un peu de nausée, quoi. Mais quand tu bois de l'eau, après, ça va mieux. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Franchement, les 24 heures, je kiffe en faire. Donc, go refaire d'autres challenges. N'hésitez pas à me donner d'autres idées en commentaire de 24 heures à reproduire. Hein. Moi, j'accepte tout avec plaisir. Moi, j'en ai déjà plein d'autres là en tête, ce qui pourrait être très sympa à faire. Bref, pensez au pouce bleu, abonnez-vous et salut !